Salut mes petits fingers, j'aurais bien aimé vous dire combien vous êtes et combien vous êtes tellement nombreux parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Vous êtes 3160 fingers à me tapoter sur le pif pour essayer de gagner un petit peu de brousouf. L'appli sur laquelle je te pose des questions normalement, elle est un petit peu plantée, mais du coup, comme les questions je les connais, je vais te les poser quand même et ça va être plutôt rigolo. J'espère que chez toi ça se passe bien, que tu es en train de passer un putain de bon week-end et tu sais quoi, pour que ce week-end soit bien. On va commencer en musique et tu vas essayer de me répondre à cette première question. Vas-y François, balance. Alors, dans la chanson... Alors dans cette chanson, notre copine Dalida, elle dit « Laissez-moi tranquille, laissez-moi danser, laissez-moi tweeter ou laissez-moi swinguer ». À votre avis? Qu'est-ce qu'elle demande notre amie Dada, notre amie Lily, notre amie Dada, notre amie Dalida qui demeurait rue d'Orchamps dans le 18e arrondissement à Paris. Elle voulait qu'on la laisse danser. Laissez-moi danser. C'est important de laisser les gens danser, tu vois. À un moment, il ne faut pas tout empêcher, tout interdire. Ça devient casse-pied au bout d'un moment. Tu comprends? Alors j'aimerais bien te dire combien vous êtes à avoir bien répondu, tout ça. Je peux pas. Devant moi, je peux te dire que vous êtes 97% à avoir donné la bonne réponse. Merci François, j'ai les stats, mais j'ai pas mes lunettes. Ah, ça y est, ça remarche. J'ai l'impression que ça remarche. Tu sais quoi? On va regarder ça tout de suite. Après, voilà, 97% de bonnes réponses. Pauline, tu as complètement craqué. D'où tu m'utilises un joker x5 sur une question à 10 balles, à 10 points. Je te rappelle que pour rentrer dans le petit cercle de ceux qui se partagent la cagnotte de 500 balles, il faut avoir marqué 400 points. Pour marquer 400 points, tu réponds la x5 sur une question à 80, bim, 400 d'un coup. Alors, le titre complet de la chanson de Dalida, c'était « Monday, Tuesday, laissez-moi danser ».« Monday, Tuesday », c'est des jours de la semaine. Ouais, je sais que tu sais, mais j'avais envie de te le dire quand même. Attention François, doigt boudiné, appuie sur le bouton, deuxième question. Deuxième question, quel chien de montagne est dressé pour des recherches de corps après une avalanche? Enfin, on peut aussi trouver des gens vivants. Le bouvier, le danois, le berger suisse ou le Saint-Bernard? Tu sais, c'est un chien gentil avec un petit tonneau de rhum autour du cou souvent. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on le représente. C'est un gros chien qui fait wouh, 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 wouh. Un chien qu'on aime bien. Alors, dans les Pyrénées, c'est le patou, mais là, ce n'est pas de lui qu'on parle. On parle du Saint-Bernard. Le Saint-Bernard, c'est un joli chien. Alors, le berger suisse, je ne sais pas si ça existe. C'est un berger dynamique. Et le bouvier, c'est autre chose. Alors, rouleau de printemps, hein, mais c'est toi que l'on aime. Tu as mis 50 points. Donc, toi aussi, tu utilises des jokers x5 sur des questions à 10 points. Tu as raison, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de gâcher tes jokers, tu les gâches. Si tu as envie de gâcher ta vie, tu gâches ta vie. C'est ça, tu n'as qu'à sombrer dans la drogue, écouter du dark rock'n'roll, aller sur le dark web, acheter avec des bitcoins, des stupéfiants. Tu viendras moins faire la maline quand tu seras à l'hôpital. Utilise bien tes jokers, merde. Allez, François, question numéro 3. Quel est l'album d'Astérix de cette liste qui n'existe pas? Astérix chez les Bretons, Astérix chez les Pictes, Astérix chez les Belges ou Astérix chez les Suisses? Alors, il y en a un des quatre qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait. Enfin, qui a été fait sous un autre titre. Et là, oh là là, là, je sens que ça réajuste complètement. Tu sais qu'en 2017, il y a un nouvel album d'Astérix qui est sorti qui s'appelle Astérix et la Transitalique. Ouais, mais c'était pas ça la question. La question, il fallait répondre Astérix chez les Suisses. Ça existe, mais ça s'appelle Astérix chez les Helvètes. Alors, 22 d'entre vous n'ont pas du tout cru Astérix chez les Pictes. Et pourtant, chez les Pictes, ça existe. Chez les Belges aussi et chez les Bretons, évidemment. Alors, Matt Damon, tu as mis 20 points. Pépite, t'es en tête avec 80, ce qui est bien, mais pas top. Et vous êtes 199 joueurs sans faute. Mais l'important, c'est d'être dans ceux qui mettent 400. Petit François, question 4. Hey, je ne me fâche, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je après, quel est le titre de cette chanson sortie en 2008, hein? Les limites, les frontières, les bornes ou les extrêmes? C'est une chanson de Julien Doré qui est fabuleux, qui a publié cette chanson sur un album intitulé Ersatz. Un Ersatz, c'est un succès d'année, disons. Et vous êtes 82% à connaître la bonne réponse. 81%, ça s'ajuste un petit peu dans mes statistiques. 81% à connaître vos limites. Les frontières, 9%, tu dégages. Hein. Les bornes, 6%, tu les as passées. Et les extrêmes, 5% d'entre vous se sont complètement plantés. Toute petite maillot, tu as mis 100 points. Donc, tu as utilisé un x5 sur une question à 20 points.
toute petite maillot, tu as 100 points, ça te fera peut-être le cul qui brille, mais si tu écoutais mes conseils, tu serais déjà dans les 400 points. Non, pas vraiment. Non, en fait. Bon, écoute, toute petite maillot, tu sais quoi? On se reparle à la fin, si tu es dans la ronde de ceux qui gagnent un petit peu de pognon, tu vois ce que je veux dire? Là, je sens, François, que je te fatigue à me dandiner de droite et de gauche, mais c'est normal. J'ai envie de faire pipi. Allez, question numéro 5. En compétition de gymnastique, quel agrès est exclusivement masculin? Les barres asymétriques, la barre fixe, le sol ou le saut de cheval? Ça, comment te dire, il faut avoir fait de la gymnastique, quoi, au moins avoir regardé les Jeux Olympiques à la télévision. C'est beau la gymnastique. Et des barres, il en existe pas mal, mais il n'y a qu'un agrès hein, qui est exclusivement masculin. Oh la vache, alors là, vous ne savez pas du tout. Hein? Alors autant les trucs de geek, ça marche, autant le sport. Eh bien, à 52%, vous avez donné la bonne réponse. C'est la barre fixe. Il n'y a pas de femmes qui font de la barre fixe. Les femmes, elles font de la barre, des barres asymétriques. Voilà, la gym au sol, c'est pour tout le monde. Et le saut de cheval, oui, non, le cheval se fait sauter par les hommes et par les femmes. Les deux, conjointement. Aurore, tu as mis 200 points. Aurore, malheur! Voilà, tu as mis 200 points. Qu'est-ce que je te dis? On va pas te décrocher une médaille non plus. Hein. Tu as répondu à une question, c'est pas non plus la question du siècle. Vous êtes 74 à avoir déjà utilisé votre 50-50 et 7 ont utilisé le x5. 7 x 5, 35. Je sais, ça n'a aucun rapport. Allez, hop, François, question numéro 6. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Très très bon film. Enfin, un film assez bien. Enfin, bref. Quel est le nom de famille de Christian Clavier? Monsieur Verneuil, Monsieur Boissier, Monsieur Lequesnoy ou Monsieur Baupin? Alors et là, il joue quand même un bon bourgeois hein, à la tête d'un cheptel de filles, d'un élevage, il est plutôt ébahi par l'hétéroclicité des choix de sa fille, voilà, de ses filles. Il y incarne un monsieur, comment? Eh bien, un monsieur Verneuil, aux côtés de Chantal Lauby, qui joue Madame Verneuil. 68% de bonnes réponses. On est bien, comme Magalaï 78, qui a mis 200 points. Alors, les Boissiers, c'était pas là. Les Lequesnois, c'est dans le film La vie est un long fleuve tranquille. Tu te rappelles, avec les Groseilles, les Lequesnois, c'était le premier film de Benoît Magimel, où il avait cette espèce de tic d'épaule qui était très bien, et où la carrière qui lui était promise lui a été chose due. Si ça se comprend bien ce qu'on a dit. Si, sans doute. Et la famille Baupin, bah écoute, non. Bah, tu vois, Baupin, c'est plus dans la famille Boulanger. Comment on s'en sort? La pépite, t'es en tête. On a un fois 5 supplémentaires qui a été utilisé. C'est bien, c'est gentil de faire ça. Et puis tu sais quoi, François, ça va François? Ouais, il va très bien, François. On passe à la question 7? Allez, vas-y, c'est parti. Chanson. Écoute-moi ça. Ne venez pas pleurer sur ma tombe, combien sont sincères? Enfin, combien de drames, de vraies galères, combien de faux frères? Quand j'étais vraiment dans la merde, combien m'ont tendu la main? Ne jamais. Alors, quel rappeur originaire de Trappes fait parler de lui pour ses clashs avec un lanceur de parfum dans les aéroports, à savoir Booba? Est-ce que c'est Lacrim, Jules, Lafouine ou Soprano? T'as remarqué, il y en a aucun qui s'appelle Beaumarchais, Chateaubriand ou Molière. Hein. C'est à base de Lacrim, la Jules, la Fouine, la Soprano. Ah, Soprano, parce que c'est un nom de chanteuse. Je ne savais pas. Alors, qui c'est qui est originaire de Trappes et qui s'est embrouillé pour des sortes de parfums avec le gros Booba? C'est le Fouine. Voilà, la Fouine, 77% de bonnes réponses, c'est bien. Il y en a qui ont répondu Lacrim. Jules, c'est celui qui fait ça, je crois. A priori, c'est du bon débile. Génie, 400 points, génie. Génie, tu as fait ce que j'avais dit. Génie, tu l'as fait sans frotter. T'as marqué, voilà, t'avais une question à 80, un joker fois 5, 5 fois 80, 400, 400 points, tu viens de rentrer dans le petit cercle. Ah oui! La Fouine, pour info, c'est le frère du producteur Hakim Mouhid, connu sous le nom de Canardo. Ça gamberge quand même dans ce milieu. Allez, tu sais quoi, question 8. Question 8, que signifie le mot dab? Est-ce que c'est un distributeur de billets, un patron, un geste fait avec les bras? Ou un style de musique. Je t'encourage à regarder la manière dont c'est écrit. Voilà, un dab. Parce que si c'est un dab DAB, c'est ça. Mais là, on n'y est pas. Là, un dab, c'est à 33%. Vous avez donné la bonne réponse. Le dab, c'est le patron. Je t'envoie comme référence le film de Michel Audiard, Le Caveau sur Bif. Où lorsque Blier évoque
Jean Gabin, il dit, on l'appelle le Dab, les gens se découvraient rien qu'en entendant son blaze. Et comme tu le savais sans doute, You the man, You the man. Et You the man, on se voit souvent. You the man, t'as mis 400 points d'un coup avec un petit x5 sur une question à 80. C'est tranquille. Le geste fait avec les bras, 45% de réponse. C'est DAB, c'est pas DAB, sinon ça ferait DAB. Un style de musique, certainement pas. Un distributeur de billets, c'est DAB aussi, je crois. Voilà, distributeur automatique de billets. L'ODCVD, tu es en tête avec 780 points. Vous êtes 42 joueurs sans faute pour l'instant, à l'aube de la 9e question. Et à l'issue de cette 9e question, je pourrais vous dire combien vous avez gagné de brousouf ou si vous n'avez rien gagné du tout. C'est ça qu'on va savoir tout de suite grâce à Petit François et ses petits doigts. Laquelle de ces boissons est la moins riche en sucre? Et en ce moment, ça m'intéresse. Le cidre brut, le diabolomante, le champagne ou le jus d'ananas? Alors là, il peut y avoir débat à tout moment. Oh la vache, je suis en train de voir la manière dont vous répartissez vos votes et je me rends compte qu'il y a quand même une bonne collection de soifards parmi vous. Et quand je dis des soifards un brin festif parce qu'à 70% vous m'avez répondu le champagne et à 70% vous avez donné la bonne réponse, dont Matt Damon qui a mis 500 points. Alors Matt Damon, lui, met son x5 sur une question à 100 points. C'est le mec qui dit va ceinturer bretelle quoi. Toi, Matt Damon, je suis sûr qu'au Cap d'Agde, tu es capable d'aller jouer au... Oui, je sais que c'est Matt Damon, mais c'est comme Matt Damon. Je peux l'appeler Matt Damon. Oh, d'accord, merci François. Je te parlerai après à la récré. Comment te dire? Bref, champagne, 1,41 g de sucre. Ensuite, c'est le cidre brut, 2,22. Le Diabolo, 10,6. Et curieusement, c'est le jus d'ananas le plus sucré avec 12 grammes de sucre pour 100 grammes de liquide. Waouh! Laurie, tu es arrivée en tête. Laurie, tu as 960 points. Et comme tous ceux qui ont 960 points, vous gagnez 4,55 €. Elle est plutôt pas mal l'histoire, là. Combien vous êtes à gagner 4,55 €? À mon avis, vous n'êtes pas énormément. Eh si, quand même. Vous êtes 31. Et le dernier, c'est Descanic, a gagné 4,54 €. Et tu sais quoi? Vous êtes plein à avoir mis plus de 400 points. Et là, 170 à vous gagner 2,94 €, presque 3 €. C'est plutôt bien, moi je trouve que pour un samedi, vous allez pouvoir acheter des cacahuètes pour aller avec le pastis. Pour 3 € ça passe, comme par exemple Kezio, Clem, Sly, Zoul, Pépite, Neige, Lolotte, Youdeman. Bah Youdeman, on s'est parlé tout à l'heure, 2,94 € dans la petite cagnotte. Bah écoute, c'est plutôt plaisant. J'espère que vous allez passer un super bon week-end. Moi, je vous retrouve jeudi. Et n'oubliez pas, le 13 octobre, la version multilingue de Be The One. Big kisses!